Elle n'aurait pas laissé un ou deux chapitres des fois. À peine quelques lettres sans plus. Quand je pense qu'elle est là quelque part, en train de jubiler du tour qu'elle m'a joué tout en dévorant les pages du livre de Quaid. Ce qui veut dire qu'elle a tous les indices dont elle a besoin pour trouver le trésor du fétiche d'or. Cette fille, on peut dire qu'elle est futée, hein? Mais pas assez futée pour être plus futée que moi. Jamais, capitaine, je n'ai jamais dit ça. Je veux ces pages et je m'en vais les lui reprendre. Mais enfin, que faire? Nous ignorons tout de l'endroit où elle se cache. C'est un tout petit problème qui sera vite réglé. J'ai un plan. Réunis les hommes. Levez les rames! Dispersez-vous! Chacun à son poste! Gardez les yeux bien ouverts! Si vous voyez quelqu'un, vous le suivez! Et vous repérez où il se rend! Bien, Dugal. T'en prie, Dugal. Ce plan débile est une perte de temps. J'en finirai avec cette fille d'un seul coup. Tu as des ordres, coupe-gorge. Alors contente-toi d'obéir. Clochette, qu'est-ce qu'il y a? Tu es perturbée? Laisse tomber. Les plantes n'ont pas de sensation. Bien sûr que si, elle sent les choses. Je crois qu'il y a quelque chose qui la dérange. T'es à la masse. Tu le sais, ça? Fiche-lui la paix. Non, mais c'est vrai. Elle en est à croire que sa plante est perturbée. C'est ça. Elle est décidément en train d'essayer de me dire quelque chose. Elle roule sur la jante, là. Il est grand temps de rentrer à la maison. Elle a peut-être très soif. Je vais te chercher de l'eau, Clochette. Hé, géant! Y a rien non plus du côté du sud. Regardez bien partout. Ils doivent être quelque part par là. Juste en bas. Combien sont-ils? Deux. Ils semblent chercher quelque chose. Chercher quoi? Comment veux-tu que je sache? Mais je crois bien que c'est ça que Clochette voulait me dire. Bah voyons. Quoi? Vous étiez là, non? Vous l'avez entendu? Sois honnête. Clochette fait du bruit tout le temps, non? C'est juste une coïncidence. C'est vrai ce qu'il dit, Sarah. Comment pourrait-elle deviner que les pirates sont dehors? J'en sais rien. C'est comme ça. Je vais quand même aller voir ça. Les hommes sont en place. Selon vos ordres, capitaine. Bien. On met le cap sur l'île des naufragés. Il se passe des choses étranges. Il y a des pirates postés tout autour de l'île. Blackheart est avec eux? Je n'en sais rien. Mais le navire vient de mettre les voiles. En laissant les pirates ici? Pourquoi ont-ils fait ça? Blackheart mijote quelque chose. Mais lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Silence!
ce que je veux savoir. Et tu seras libre. Où se cache la Péronnelle? Péronnelle? Quelle Péronnelle? Ne joue pas la plus maligne avec moi, où se cache-t-elle? Je l'ignore complètement. Tu ne t'attendais pas à ce que je te croie. C'est la vérité. Tu tentes de la protéger. Pourquoi le ferais-je? Sachez que je ne l'aime pas plus que vous. Alors dis-moi dans quoi elle se cache, ma chère. Je vous l'ai dit, je l'ignore. J'aimerais le savoir, mais je l'ignore. Ton entêtement est stupide. Rends-moi ce service, et je saurai m'en souvenir. Je ne peux que vous redire que je l'ignore. Tu n'es qu'une pauvre idiote. Tu pourrais être sauvée, toi et ta tribu, mais... ça n'est pas grave. Je suis à ça de la trouver moi-même. Comment ça? Et j'ai vu de la fumée au-dessus de la forêt. Elle ne peut provenir que de sa misérable cachette. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne trouve cette vipère. Emmenez-la! Pourquoi lui avoir dit ça, au fait? On n'a jamais vu la moindre fumée. Imbécile. Imbécile! Comment as-tu su que les pirates étaient dehors, Clochette? Je crois... tu les as sentis, c'est ça? Que j'aimerais saisir ce que tu me dis. Il ne manquait plus que ça. Être scotché dans une cabane en haut d'un arbre avec une sœur qui croit parler avec un végétal. Tu vas être bien triste. Blackheart est sur le point de te séparer de ta copine. Quoi? Il a vu de la fumée qui montait de sa cachette. Quand ça? Je n'en sais rien, mais il ne faudra plus longtemps avant qu'il ne la trouve. C'est bon, je vais lui dire. Mars! Oui? Il faut qu'on trouve les pages du livre de bord avant Blackheart. Je sais, ouais. Parce que s'il s'en empare avant nous... Laisse, je m'en occupe. Je n'y comprends rien, capitaine. À quoi, Dugal? Eh bien, d'abord, vous avez dit que nous n'étions pas loin de trouver la cachette de cette fille, ce qui est faux. Puis que nous avions vu une fumée que nous n'avons pas vue. Est-ce que tout cela a fait partie du plan, dites-moi? Évidemment. Génial, ça. Et quel est le plan, capitaine? Réfléchis, tête de poule. Bah, j'essaye, mais j'y arrive pas du tout. On dit aux naufragés que la Péronnelle est en danger. Oui. Deux, ils envoient un messager la prévenir. Oui. Trois, on suit le messager qui nous conduit tout droit à elle. Ça, c'est du bronze, capitaine. Je sais. Maintenant, tu la fermes et tu ne l'ouvres plus ou je te promets que je vais te la clouer. Ah. C'est pas du bronze, du gal, c'est de l'or. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ben, parfait. Il est à moi. On ne pourra plus le suivre si tu es tripes. Et alors là, capitaine? On retourne sur le bateau. Et on attend de voir où il se rend. Clochette? Qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi, tu veux? Nous sommes en sécurité ici. Je préfère ça. Donc, on reprend depuis le début. Moi, Sarah. D'accord? Moi, Sarah. Toi, marteau. Moi, fille. Tu as dit fille? Ça veut dire oui? Vas-y,
ça va, c'est bon. Ça, c'est enregistré. Maintenant, dis-moi non. Triple andouille. Où est-il? Qui ça? Bah, le garçon que l'état des mers. Nous, on a vu personne. C'est pas vrai! Blackheart prétend connaître votre cachette. Quoi? Il a vu de la fumée monter de votre cabane. Mais c'est impossible! On fait très attention avec ça. C'est ce que Blackheart a dit à Carmen. Alors voilà ce que mijotaient les pirates. Ils ont trouvé notre cachette. Ça n'a pas de sens, Nicolas. Si Blackheart savait où nous retrouver, pourquoi l'aurait-il dit à Carmen? Pourquoi le dire à qui que ce soit, d'ailleurs? Il aurait été préférable de garder l'information secrète. Vu sous cet angle, en effet, c'est bizarre. Sauf s'il attendait que je vienne te prévenir. Tu as été suivi, alors? Je les ai semés, t'inquiète pas. Là, je comprends ce que Blackheart trafique. Il tente de trouver notre cachette. Que s'est-il passé? Ce vaurien s'en est tiré, capitaine, comme vous l'aviez prédit. Nous l'avons suivi. Au plus profond de la forêt, oh là là, très loin. Jusqu'à ce que Darcy se fasse semer. Oh, tu n'es qu'un menteur et un scélérat. C'est toi qui l'as semé. Moi? Ça le démangeait de tirer son épée, c'est ce qui a fait que le petit a remarqué notre présence. Je vais te faire avaler ta langue, sale menteur. Vous n'êtes que des chiens galeux. Vous l'avez laissé filer. Et si on essayait de nouveau? Trop tard. La ruse ne prendra pas une seconde fois. Sortez! Clochette ne dit plus rien. Ils sont repartis, tu crois, Kate? Blackheart n'aurait pas abandonné aussi vite. Je descends voir. Non, non, ne t'inquiète pas. Je m'en charge. Mars, je sais ce que j'ai à faire. Tu sais, c'est que moi, je connais mieux l'île. Pourquoi ne pas y aller tous les deux? Inutile! Incompétent! Maladroit! C'est assez bien résumé. Je n'abandonnerai pas avant de l'avoir trouvé. Est-ce qu'il faut? C'est le bol. Et ça, ce serait parfait. Maintenant, il va falloir rendre une petite visite à notre petite naufragée. Perry! Mars, te voilà. Ça va pour toi? Oui, ça roule. Je suis bien contente de vous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Carmen veut faire du troc. Elle a ta boîte à musique. Et d'où elle la sort? C'est Dugal qui lui a échangé. Blackheart a donné sa permission? J'ignore pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a. Et on veut la troquer contre le livre de bord. Mais je croyais que tu voulais ma boîte à musique. Plus maintenant. Si on a les pages du livre, alors on pourra peut-être rentrer à la maison. C'est pas clair, tout ça. Quel est le problème? Tu veux ta boîte à musique, oui ou non? Bien sûr. Et nous, on veut le livre de bord, alors faisons l'échange. Je vais y réfléchir, Perry. Mais c'est que le temps presse. Quoi? Je veux dire, il nous faut ces pages pour battre les pirates à la course au trésor. C'est d'accord. Dis à Carmen que j'irai la voir au village. Génial. Qu'est-ce que tu penses de Perry? Il m'a paru très troublé. Tu crois qu'il disait vrai pour la stéréo? Il ne mentirait pas sans une bonne raison. C'est bien ça qui m'inquiète. Ah, attends, attends. Vous venez bien de dire que les naufragés avaient ta stéréo? Ils veulent l'échanger contre les pages de Quaid. Et t'attends quoi pour le faire? Vas-y!
Ne nous précipitons pas, Nicolas. Je crois que Perry ne nous a pas tout dit sur cette affaire. Mais on s'en fiche. Il nous faut les batteries pour rentrer chez nous. Si tu refuses de faire l'échange, je le ferai. Bon, c'est d'accord, c'est d'accord. Mais je n'amènerai pas les pages. C'est pas clair, cette histoire. Alors? Elle a cru ce que je lui ai dit. Elle est d'accord pour faire l'échange. Tu as de la chance. Satisfait? On a délivré votre message bidon. À vous d'honorer votre part du marché. Vous devez la relâcher. Saisissez-vous de lui. Non! Lâchez-moi! On vous libérera. Dès que j'aurai capturé la Pyrenelle. Et n'espérez pas être relâché avant. Tu sens un danger? C'est ça? Elle veut dire danger. Danger? Qui est en danger? Kate et Mars? Elle a dit oui. Comment une plante en peau pourrait savoir ça? De la même façon qu'elle a su que les pirates étaient juste dehors. Je vais les prévenir. Il faudra que je m'excuse auprès de Sarah pour sa plante. Clochette, dis-moi ce qui se passe encore. Où sont les pages du livre de bord, Pyrenelle? Ne dis rien! Silence! Dis-moi où sont ces pages. Ça peut être le son pour pirate? Oh. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois de plus. Où sont les pages du livre de bord de Quail? Je te rappelle que leur tour de Pyrenelle. D'accord, c'est bon. Je vais vous le dire. Vous avez gagné. Non, pas ça! Ne lui dis rien, il va trouver le fétiche d'or. Et on ne pourra pas rentrer chez nous. Navré, Carmen, je n'ai pas d'autre choix. Je vois que tu es en fin de mon avis. Vous allez me suivre jusqu'à la cachette et je vous donnerai les pages. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Courez! Kate, mais qu'est-ce que vous faites? Ah!
Imbécile! Plante! Oh, je te capturerai de nouveau, sale petite garce! Imbécile, tous autant que vous êtes! Imbécile! Mais ça n'est pas de notre faute, Capitaine! Ce sont ces plantes grimpantes! Ben voyons! C'était comme si... comme si elles avaient compris, Capitaine, et qu'elles avaient voulu les aider. Ne sois pas ridicule! Ouais. Sans laisser! Blackheart a failli nous avoir cette fois. S'il n'y avait pas eu les plantes... Là, je dois te dire qu'elles ont été épatantes. Elles ont attaqué tout le monde sauf nous. C'est ça que faisait Clochette, alors? Quoi? Elle a dit aux autres fleurs de vous sauver. C'est bien ça? Ça veut dire oui. Alors les plantes savent réellement communiquer entre elles? C'est de la télépathie. Génial. C'est bien toi la meilleure.